eyes and face. It's... Stop! Stop! Who goes there? Et grotte. Et quoi le délire? Encore une baguette vidée. Escaped. He sidles blindly beside the cart, groping his way toward you. I can't let you go. It's my job. It's why I'm here. This isn't about. Don't you understand? He continues to grope toward you. His sword clenched tightly in his hand. He opens his eyes a fraction of an inch and winces, stumbling over a rock stuck in the mud. He clings tightly to your forearm, getting his bearings on the marshy ground. And we beat them back. But ah, mais c'est bon, les morions, vous inquiétez plus. Through the heart. On a tué tous ceux qui étaient à la ronde. Landin went back to the fort to bring help. I have a job. He pulls a pair of shackles out of his bag and holds them out, open toward you. You're dangerous. You hear? I need to protect people. I need to protect you. Nothing. Understand? Stay away. Apparemment, il protège quelque chose de... Mais je sais pas, il a un truc, il a l'air pas... Il est aveugle. Hein. Oh, une step. Le mec... T'entends le mec derrière avec son petit panier qui court sur les champignons. Si je lui laisse me mettre les fers, ça va être la merde ou... Non, tu peux essayer. De toute façon, je serai là pour le castagne s'il faut. Ok. Les morts-vivants arrivent. Besoin d'aide. Ouais, j'arrive. Bon, de toute façon, le pauvre bougre. J'ai peur qu'il survive pas très longtemps. Bon, bah, je vois qu'il a un taux de précision aussi élevé que le mien. J'ai spawn du côté où est-ce qu'il est, donc si tu veux, tu peux t'occuper de l'autre. Ok. De l'autre, tu veux dire de l'autre côté? Ouais. Ok. Oh la vache. Ah bah j'ai bien envie d'essayer enragement, tiens. Faudrait que je sois sûr de pouvoir attaquer derrière ces deux. Ah, du coup il réussit systématiquement des attaques critiques. Ça veut dire quoi du coup si on se retrouve réduit au silence? Ça veut dire que tu peux plus lancer d'autres sorts. Ah, mais du coup je me retrouve au silence pour combien de temps? Il est marqué, je crois que c'est deux tours silence. Silence. Ça fait pas enragé hein? Non. Bah si je le faisais je pouvais pas attaquer après, ça aurait été le bordel. Ah non, pas le bâton de Magnus, ça a pas recommencé cette histoire. Ah ouais, en fait, je vais me prendre tout le monde. D'accord. Ah, t'as jeté ton panier champignon par terre? Il est... Mais pourquoi il est aveugle? On avait l'impression qu'il avait un sort au-dessus de sa tête. Ils auraient pu lui mettre un bandeau si tu voulais montrer qu'il était aveugle. Hein? Bah non, là il est aveugle. Mais il est aveugle, tu vois le truc qui tourne au-dessous de sa tête. Ouais. Ça aurait pu être un sort, non? Ça aurait. Oui, mais là c'est la cécité. En fait, c'est pour montrer la cécité. D'accord. Merde, j'ai pas vu qu'il lui restait 2 points, putain. Ça, c'est vraiment des conneries. What? C'est qui? Ah, c'est un type que j'ai croisé là-bas et du coup, comme j'ai été attaqué quand j'étais là-bas, il... Sympa le mec, ok. Ah
En fait, enragement, c'est bien quand t'as pas bougé et que t'as ta barre pleine. Parce que vu que ça coûte 2, ensuite tu peux spammer. D'accord. Parce que si t'as bougé, vu que ça te prend 2, il faut pouvoir quand même rentabiliser le truc, tu vois. Ça dure qu'un tour. Hein. Mais du coup, j'ai pas vu si je pouvais le faire sur WoW. Dans tous les combats que j'ai fait, jamais il s'est rajouté au combat. Allez. Oui, mais c'est une nouvelle aventure épique qui commence. Que vous t'aurez pas remarqué. T'as pas raté le truc là? Non. D'accord. Te le mettre sur toi. Qui? Bah le truc. Non non. J'avais 4 points, je vais pas l'utiliser pour faire un truc là, ça sert à rien. Ah d'accord. Ah, si j'en avais eu plus encore, ouais je te dis pas. Il va crever non? Tu veux que je le sauve? Bah si j'ai lancé le truc Si j'ai lancé le truc exprès pour voir où ça nous menait, oui. Après, s'il meurt, tant pis pour lui. Le problème, c'est que j'ai rien pour le sauver. Moi. Ah, écoute, s'il meurt, il meurt. Qu'est-ce que je te dise? Il a voulu mettre les fers, des morts vivants sont arrivés. Bah, s'il meurt, c'est comme ça, ça devait arriver. Mais vous vous êtes tous acheté le même bâton ou quoi? Non, en fait, ça, c'est le sort. Oui, je sais. Je me suis fait maltraiter avec ça en solo, c'est pour ça. Ah, tu t'es fait maltraiter? Oui, je me suis fait maltraiter. Et là, je me fais bien maltraiter, d'ailleurs. Comment ça, comment quoi? Bah, qu'est-ce qu'ils t'ont... Comment ils t'ont maltraité, quoi? Bah, il a fait plein de fois le bâton de Magnus et je suis mort. Comment ça, il a fait plein de fois? Bah, il a spammé parce qu'il avait 250 PA, voilà, c'est tout. Ah, d'accord. C'est que je te dise. Je suis pas bien en point là. Ah bah oui, mais c'est à cause de l'autre, vu que j'ai mon armure physique encore et. C'est l'autre, il me tape avec sa merde de. De comment ça s'appelle? Bâton de Magus. Ouais, voilà, du coup, c'est des dégâts magiques pour ça. Ouais. Faut pas choper l'autre, non, avec l'autre à côté. Non, il est pas à côté. Ah putain, c'est con. Si je décale, je vais me faire taper, donc ça fait chier. Soit je le remets. Ça me buff pas par hasard au niveau des résistances. Non, non, ok, c'est juste pour faire des dégâts. Sinon, je peux faire dôme de protection. Armure physique et armure magique. C'est pas mal ça. Ça va t'utiliser un point de source, mais pour le moment, on en a la volonté. Ah, d'accord. C'est... Mais... Non, mais ah, c'est rien. Mais non, c'est pas un truc de source. Ah, si. Autant pour moi. Bah, Mickaël, tu veux m'apprendre le. Non, non. Pas à moi, Mickaël. Attends, l'autre il a de l'armure. Ah, des fois il y en a qui en ont pas. Ah, mais attends! Attends, t'as que 29. Ah, si je le rate pas, c'est bon. Ah, je sais que je pourrais toucher. Allez. Voilà. Ça, il m'emmerdera pas à ce tour-ci, Magnus, mon cul là. Ah, en même temps, il joue vraiment comme les bots, sans douille aussi. Bon, en même temps, c'est normal. Mais... il s'est pas fait respecter. Le mage, il vient, il fait qu'est-ce qui se passe ici? Ah, je suis déjà en feu, mec, arrête de me rejeter des grenades de feu. Ça va, toi tu te permets d'esquiver des trucs comme ça, tranquille. Ah, on a rendu un malade. Ça c'est bien joué. Bon, le problème c'est que si je bouge le moindre truc, je me fais taper.
J'aimerais bien sortir du feu parce que ça... ça brûle! Est-ce que je peux le finir à ce tour-ci? Oui. Par contre... Bah ouais, Magnus peut me taper direct sur la santé, quoi. Enfin, Magnus, il s'appelle pas Magnus. Normalement, t'as une potion de santé magique, même si c'est dommage de l'utiliser ici. On est d'accord. Bah, tu préfères utiliser un parchemin si ça foire? Ouais, carrément. Ok. Normalement, il me reste de quoi... Ah. Oh putain, il a pas de compétences ce magister, sérieusement? Oh le la total out of nowhere le mec. Claire. Enfin moi je tapais comme ça quand j'étais niveau finir. 2 hein. Bah je pense que tu peux les laisser s'occuper de lui et aller peut-être choper Magnus non? Ouais. Ah tu vois c'est pas mal quand t'as opportunité parce que quand tu t'es... aïe aïe aïe. Tu ressembles vraiment à un chaman, finesse. T'es pas vraiment dans son dos là. Si j'ai regardé avant. Ok. Oh oui. Malheureusement non. Si si, parce que je pourrais peut-être faire une course et foutre un coup d'épée. Oh bah c'est bon. Oh lol cette esquive. Juste pour me taper quoi. Aïe. Tu vas te prendre le coup ultime de l'apocalypse, bah tu vas te prendre la botte de nevers. Oh non lolo putain. Tu vas voir qu'ils vont réussir à faire moins le magister sur le dernier mec. Allez, on se dépêche, on retourne de l'autre côté. Ah pas dans l'eau. Pas dans l'eau. Oh, y'a pas assez d'eau. Y'a pas assez d'eau, continue de courir. Tu penses qu'il faut que je me dépêche de le rejoindre l'autre ou... Oh tu peux si tu veux, et c'est... de toute façon ça coûte rien. Hein. Ah bah de toute façon j'ai armure physique, cours Billy. Ah bah là j'ai servi de tank hein. Oh là là mon dieu mais il est useless ce mec hein. En même temps comment il peut réussir son coup s'il voit rien hmm. C'est pris en compte ça? Non mais sérieusement c'est pris en compte? Le fait qu'il soit aveugle. Oui 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 justement. Ah on est d'accord. En fait, t'avais envie de te prendre la totale. C'est ça, au moins comme ça, l'autre ne meurt pas. Avec un toucher vivant, il est gelé, il pourra pas taper. Ah oui, est-ce que je peux. Oui! Pense à prendre du soin direct, hein. Non, tout le monde est mort. Par contre, je les ai pas fouillés. Hein. Bon, je sais pas s'il y avait. Ah oui, certainement que tu serais mort, oui. La tirer vers vous, le serait très fort. Dans la... Non, mais ça va, on en est pas là, non. Est-ce que mes bottes sont cloutées? Oui. Elles sont cloutées. I won't forget you, I won't forget you. Ça dépend. C'est. Ah! C'est un ours! L'ours il est méchant? Non? C'est un bébé ours et si tu lui parles, tu peux le ramener au cadavre de sa maman. Non mais je suis un nain hein. Un bébé ours aussi grand que moi. Réfléchis aussi un petit peu à ça. Bah oui.
C'est un hurleur ça? Ah non, du coup c'est un homme torturé. Ah bah oui, mais ils sont placés pareil. An old elf's pet, dear ones. Not like this. Not like this. He covers your head. It will take a great light to draw. They're as good as my family. So much pain. On peut pas les faire tomber, les mecs qui sont attachés sur les pics. Non, non. Enfin, j'ai jamais réussi ou essayé même. I know full well what they'll become. Ah d'accord, c'est des c'est des pré-hurleurs en fait. Oui, c'est ça. De toute façon, comme je t'ai dit, hein, n'hésite vraiment pas à discuter avec chacun. Bah j'essaye. The seeker's head twitches upwards as you approach. He struggles to focus his eyes closed. Allez, faut les finir. Non, toi tu lootes surtout. Moi je connais tellement tout là que. Et si on tape les mecs sur les trucs, il va nous engueuler? Ah c'est possible, j'ai jamais essayé. Bon bah je vais essayer. De toute façon c'est un elf donc pas grave. Il a rien dit quand j'ai tué Ptolémée. Peut-être qu'il m'a pas vu, je sais pas. Je pourrais essayer. Faut les achever, c'est horrible, attends. Ils sont corrompus, complètement foutus. Ah, c'est grâce à moi encore ? Ouais. Voilà. Surtout s'ils se transforment en hurleurs. Ah, en fait, je crois qu'il m'avait dit de m'en occuper. Je suis pas sûr. Je lui ai parlé de ça justement avec tact et tout et je pensais qu'il m'avait engueulé mais je crois pas. Enfin, je regarde. Par là. Par là. Voilà. Bah, pense à cet endroit là dans ta partie solo à un moment. De toute façon, on y reviendra. Ok. Bah, tu sais que vu. Pour le moment, j'ai pas avancé. Ouais, bah je me doute, hein. J'avais réussi à avancer alors que. Je monopolise le temps de jeu. Le bon, mec allez, ne dort plus jeu, en là. Fait. Le mec. C'est ça. Non, surtout que là, ils deviennent des hurleurs en plus. Derrière, ça crée encore plus de problèmes. Ah oui, ça c'est clair. Là, on parle pas de. Ah, j'aurais bien aimé avoir le truc parler aux animaux, c'est dommage. On peut le prendre au prochain point de talent à la place d'opportuniste. Ah mais moi je serais capable parce que je trouve ça plus intéressant mais. Le problème c'est que tu vas encore me bassiner pendant 10 niveaux derrière. Ah t'aurais dû prendre l'opportuniste. Le problème c'est que j'avais pas censé te faire alors du coup. C'est un dragon ça. Tu peux lui parler hein. Bah non. Attends, les dragons, tu aimes dire qu'ils parlent normaux? Oh! On va pas l'attaquer tout de suite, lui. Alors, je te laisse faire le choix de discussion avec lui. Bah, je peux pas parler, il dort. Ah bon? Bah non, il me dévisage. Est-ce que t'as une idée de ce qu'on pourrait faire? Eh ben, briser ses chaînes. T'as vu, j'ai froid. Briser ses chaînes. Briser ses chaînes. Faut que je le répète combien de fois? J'ai dit allons-y. Ah. Faut que je le répète combien de fois? J'attaque juste le truc? Ouais ouais. Putain mais tu vas l'attaquer oui! Trou du cul! From the impact knock you back. Bonjour. Vous auriez un petit tabouret parce que je suis pas très grand. The freed dragon looks sick and pale as you approach. My gratitude for your efforts, friend. Il a une voix encore plus virile que vous, capitaine. C'est clair. Please. But of course, that must be why you stand before me. Slain cold to the Lord of Death, and here you are,
a coincidence. Ah, my fate, it seems, is not my own to call. My soul is bound to Julius' obedience. Purged of my source by the wickedest of witches. I stand and that you would even ask such a question of a stranger already in your debt. There is much goodness within you, but this task would not. She consumed all my source with her purging wand. Elle a une baguette! Ha! She has absolute control over me. If you could retrieve it for me, I could be free again. Ah mon dieu, il y a vraiment des choix, mais c'est immonde quoi. You would have my gratitude. Si ça avait été un magister, j'aurais peut-être pas trouvé ça immonde. Trouver la baguette. Allez, on y va, la recherche de la baguette, Michael. Ça fait 250 fois que je fais cette. J'adore les dragons. On va pas le tuer, franchement. On en tuera d'autres. Non, je sens que t'aurais voulu le tuer. Non, pas particulièrement. Pas particulièrement, mais t'aurais pas été contre. Bon, si tu m'avais dit on le tue, ouais, je pense pas que j'aurais été contre. C'est si ? Yep. Je veux d'abord l'état de crâne, hein. Oui. Je vais trouver de l'or dedans. C'est un peu piégé à l'entrée, patron. De 1 à 10 du piège, on est bien à 9,5, tu vois. Par contre, visibilité, on a zéro là. Hein. C'est pas très réussi, hein. On voit tout. Donc, si tu fais péter les tonneaux, l'huile autour de nous prend feu. Et le poison aussi, non? Ouais. Donc, ça va faire un grand barbecue. Pas de barbecue. Pourquoi tes yeux te détournent? Parce qu'il y a des pièges qui disparaissent? Ouais. Ok. Une des manières les plus rapides. Mais tu pourrais me prévenir parce que c'est moi qui ai tout pris en plus. Quel enfoiré, je te jure. On peut pas acheter la torche dedans là. Un pot, ok. Repose bientôt, viens, suis-moi. Ah putain, mais préviens. What is this place? Attention, parce que j'ai le pas lourd, moi. Est-ce qu'il y a du sang sur mon épée ou c'est un effet? Non, c'est un effet, je crois. Ok. Tiens, Michael, va te placer. Je vais passer à côté, ça va rater. Ça va me faire. You there, stop. Ici. Ok. Ouais. Ok, t'es prêt à utiliser la paillette. Monte encore un peu plus. Ok. Au plus haut possible en fait. Bah, mais attention, parce qu'il y a le point ensuite. Au plus haut sans te faire choper. Ok, t'es prêt à utiliser la paillasse? Mais qu'est-ce qu'on fait ensuite? Parce que j'aimerais savoir. Et ensuite, on va voir ce que ça donne. Ok, je suis prêt. 3, 2, 1, go! Ça va, à quoi tu vas? Non, non, reste là-bas, reste là-bas! Ah. J'aimerais bien être plus mis dans la confidence, capitaine, parce que les surprises à chaque fois, j'en ai marre. Hein. Prépare-toi, réutilise ton truc quand je te le dirai. Ok. Elle va nous maudire sur 5 générations. Ah.
pourrais me dire ce qu'elle dit quand même du coup. Ah, tu peux pas lire? Bah non. En gros, elle a essayé de m'embrasser, elle m'a embrassé, alors... Non mais ça va, tu te fais tous les bons trucs, toi. Elle est au milieu d'un tas de cadavres. Elle se tourne avec un petit sourire goguenard. Goguenard. Elle se redresse et elle s'incline pour m'observer. Elle tapote, nanana. J'aime pas la manière dont elle me regarde, donc je me saisis de mon arme. Elle se mordit et s'approche de mon visage. Elle se trouve à mon goût, je veux m'éloigner, mais elle me laisse pas faire. Elle m'embrasse de force. Ça déverse un essaim de bestiole dans ma bouche. Ah, oh, ça t'étais pas obligé de elle le dire, demande c'est dégueulasse. Pourquoi est-ce que le lieu est si fertile? Ok. Je lui dis d'aller au diable. Est-ce que t'es à deux doigts de te faire violer là? Ouais. D'accord. Ok, vas-y, utilise ta paillasse. Oh, 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 oh. Ah, tu voulais que je me mette là pour la taper? Exactement. Parce que là, je peux te dire que elle, ça va aller. On a l'impression que t'as essayé de lancer un sort et que t'as fait ah, plus de puissance. J'avais pas la portée. Alors là, attends, d'abord faut que je regarde parce qu'elle m'a mis maladie en me faisant ça. Moins de 2 conditions et moins 35% de dégâts. En même temps, quand on te met des insectes dans la bouche... Ah, ça se retire par fortification, bénédiction ou premier secours. J'ai aucun des trois. Ok. Et toi? Non. T'as la bénédiction? Ah ouais, je l'ai. Pour me bénir? Oui. Oui, mon fils. Là je lui fais quasiment aucun dégât. Bon, quasiment aucun, faut pas abuser, mais moi. Parce que quasiment aucun, ce serait 1-2 points de dégâts quoi. Ok. Le problème c'est que bénir ça va me coûter la peau du zboob. Hein. Ah bon? Ça coûte combien? Bah 1. Merci. Parce que j'avais vraiment le choix. Oh, la bénédiction, tu sais ce que ça me fait? Non. Plus 20% de précision, plus 10% d'esquive et plus 15% de résistance à tout. R-O-R-R-O-R-Poison. C'est bien. Les petites merdes, ça nous lance des trucs. Ouais. Et les autres, ils viennent au corps et ils lancent aussi des trucs. T'es chiant parce que du coup, tu me gênes pour faire mon bélier, donc je peux pas. Oh, je peux pas. Donc ce sera... un piétinement. Est-ce que je peux pas emmener? Non, je suis mal placé donc je peux pas les emmener avec. Ouais. Si on la tue, ça annule tout de toute façon. Non. Ah, bon. Bah on va la focus quand même. Lui, il va pouvoir tirer un truc, je pense quand même. T'inquiète pas, j'ai ma toupie béblette de prête. Ah bah là, tu vas pouvoir avec les 4 qui sont là. Ouais, enfin la dernière fois, ça a mal tourné. Hein. Ça a failli nous coûter le combat, cette histoire de toupie béblette. Hein. Tu te souviens sur le port d'Amsterdam? Elle frappe fort, c'est bon. Non mais ça va pas de la île là? Déjà qu'on se casse le cul à lui vider sa barre de vie. Ah bah peut-être même prochain tour en fait. Ouais, elle va mourir hein. Non, c'est peut-être même prochain tour je peux faire une toupie. Ah. Non mais c'est fini oui. Ah. Vadé de la Valga! Allez, vas-y! Dépouille-la là! Encore! 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 Tu l'as, mon dieu! Ah ouais, un succès! Tu l'as eu? Ouais! Ouais, cool! Oui! Mettez-vous autour de moi, mes enfants! C'est angoissant. Ça fait ça.
J'ai lui Avalanche C'est stylé quand même. Alors, qui mérite sa claque dans la poire? celui-là 155. Ah bah j'en ai touché deux avec le coup handicapant, je suis désolé. Je savais même pas que c'était possible. Ah je suis malade, non. Tu t'amuses bien avec ton scarabée familial là? Ah c'est bien scarabée. Nécrophore. Ah l'autre il se met là-bas pour t'attaquer. Ouais. Il me faut plus de puissance, il me faudrait une baguette. Ça va se compliquer, va capitaine. Gaffe, hein. Va falloir faire gaffe. Le mec est à l'autre bout du plateau et il me dit va falloir faire gaffe. Oui, effectivement, va falloir faire gaffe, oui. Mais heureusement que tu me l'as dit, hein. Attention à toi, hein, Michael. Attention, hein. Je croyais que t'avais viré ce sort. Tension, hein. Tension. Tu me dis je vire ce sort, c'est nul, ça servira pas là tout de suite, et tu le remets. Ouais. D'accord. Au prochain tour, va falloir faire des dégâts, hein. Oh, bah merci. Et en plus, je suis en hémorragie maintenant. Va falloir que tu te soignes, je pense. À moins que t'aies putréfication. À moins que t'aies quoi? Putréfication, et c'est le cas pendant un tour. Les soins et les potions vous infligent 100% de dégâts. Ah, donc du coup, si je prends une potion, je meurs sur le coup. Oui. Alors, je vais pouvoir. Il va falloir que tu cognes sans mourir, Michael. Oh, bam, c'est regrettable. Bon, on peut distribuer ça, 3 ça coups si on les rate pas. Oui, bien. Attends, écoute. Je crois que ça peut se retirer par un truc, ça. Putréfication, par quoi ça pourrait être retiré? Ah merde! Mes dégâts de base sont réduits aussi. Donc je pourrais pas le tuer si je fais un coup normal. À cause de tous les malus que j'ai. Est-ce que t'as un parchemin de fortification? Non, évidemment. T'as cru que j'allais avoir un parchemin? Bah, tu. Normalement, je peux l'utiliser. Non, non, tu l'as. Ah merde, on peut l'utiliser quand on joue avec les bots. Ouais, bah oui, ça. Mais comment ça, bon, ça on a la poche magique normalement, donc c'est des conneries, hein. Espérons que tu ne meurs pas d'ici là, hein, voyons voir. Bah, le problème c'est tu peux. Non, j'ai une idée. Ouais. T'as des potions physiques et magiques. Ouais, mais on va pas les gâcher. Le truc c'est que je peux faire un peu de dégâts. Mais je vais pas le tuer avec un coup standard à cause des malus, comme je t'ai dit. Bah tu peux peut-être le tuer avec deux coups standard. Hein. Ah oui, ça je peux le tuer avec deux coups standard. Tant pis, vas-y, hein, fais comme ça. Ça me fait mal au cul quand même. Ça fera moins de dégâts quand ce sera joué là. Et celui-là, là, celui qui joue avant toi qui a peu de points de vie, tu peux pas le taper aussi là? Si, si, je peux encore le taper. Ça le tuera pas aussi. Ah non, ça le tuera pas. Alors, en temps normal, ça l'aurait tué, mais là ça le tuera pas. Ouais. Bah je peux rien faire d'autre de toute façon. Le seul truc que je peux. Bah non. J'avais 4 points. Donc fallait optimiser. Oh là là. Bah je vais mourir. Hein. C'est la fin. Ah bah ça se serait pas passé comme ça avec Avec. Avec. LOL, non mais n'importe quoi. Bah déjà je peux pas le prendre en plus alors, hein. Tu veux raise où, Michael? Au cœur de la mêlée. Ah mais je joue pas tout de suite non plus, hein. Ça reste quand même compliqué, hein. Ouais ouais mais t'inquiète.
Non, en fait, j'aurais pas du 13 maintenant. Moi, je comptais disparaître. En fait, t'as déplacé mon cadavre. Pour mal les scarabées, hein. Ouais. Et le problème, c'est que tu me raises en plus et je peux pas jouer. Alors. Si on avait dégagé les scarabées encore, on aurait peut-être pu faire quelque chose. J'aurais pas dû, si j'avais su qu'il serait aussi costaud derrière, j'aurais pas dû utiliser mon piétinement et tout sur la mage. Ça lui aurait fait moins de dégâts, ça l'aurait pas renversé, mais on aurait pu l'attaquer autrement. Comme ça, j'aurais pu garder mon piétinement pour après, quoi. Et les renverser une deuxième fois. Bah oui, mais je savais pas que les scarabées ils étaient aussi forts et tout. C'est bien joué. Raison, mets-moi la sortie de la grotte. Ah du coup je suis pas en combat. Bon bah je vais m'heal. Ouais, bah très bien, tu vas pouvoir revenir full life. Et t'attends que c'est fini. Ah. T'aurais pu quand même revenir en me cachant, ouais, mais j'ai pas pensé que j'allais faire un gros ici. Ah putain, sérieux. J'ai un petit parchemin de restauration parce que j'ai plus de plus. Et toi qui me dis ouais faut retirer restauration ça, tu vois ce serait mieux que ta chaîne restauration, tu pourras le laisser hein. Ouais mais le truc c'est que c'est pas juste restauration en fait, c'est il faudrait que ça m'utilise aussi un une bague en fait qui récupère. Oui je sais ouais c'est ça qui te confère. Ouais d'accord. Sinon je l'aurais gardé. Putain, j'ai cru qu'il allait arriver jusqu'à toi et te frapper. Non, ça va, du coup je m'en sors bien et tous mes sorts de stun et tout sont revenus donc. Ah d'accord, v'là qui grogne comme les chiens là. C'est l'heure de la vengeance. Et bah doucement la vengeance hein. Alors, on peut placer on peut taper à pleine puissance, ça c'est une bonne nouvelle. Normalement. Mais c'est qu'ils insistent, hein. Un scarabée, ça a des tendons. Non. D'accord. Mais un poulet, oui. C'est ton combo de l'apocalypse. Ce qui aurait été drôle, c'est que tu le rates. Ah, il a pas bougé ce bâtard. C'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, reste pas de là-dedans parce que c'est du sang maudit. Ouais, il y a des vers de terre qui sortent. Il applique putréfaction. Ouais. Mais pour le moment t'as de l'armure magique, physique, donc ça ne fonctionnera pas. Ouais, ouais, ouais. T'inquiète pas. De toute façon fallait que je m'approche.
On refait la même que tout à l'heure. Il reste combien? C'est chiant parce qu'à chaque fois que tu les tapes, tu perds de l'armure. Ouais, 74. Y'a plus qu'à espérer que je fasse pas les dégâts le plus bas. Ah putain. Chier. Ah, pas que je meure, ça ferait casse-couille. Mais les scarabées, ils sont pétés, c'est abusé. Hein. Ça va, tu te bats contre un poulet? Ouais, je pourrais pas monter là. Non, mais si tu montes ailleurs, enfin déjà rien que monter sur le même plan que lui, ça fera qu'il fera moins de dégâts. Bah le même plan c'est pas possible, il restera surélevé, mais je peux m'en rapprocher. Pfff. Ouais mais c'est pas une bonne idée. Après rien qu'aller là, il va devoir se bouger pour venir te taper hein. Au bout là. Tu seras sur le même plan. N'oublie pas de ne pas te soigner tant que t'as la petite. Non mais je comptais pas me soigner ouais. Je peux encore encaisser deux coups. Là il me fait un critique. Bah même un critique je pense pas que ça m'aurait tué. Pas abusé non plus mais... Tu le finis là ou pas? Normalement. Bah sinon j'aurais toujours la possibilité de l'attaquer. C'était fait exprès ça? Oui oui. D'accord, il m'a fait peur. J'ai cru que tu t'étais raté et que t'allais vivre là. T'as mis dans la merde encore. Je peux ramasser le truc pour le donner au dragon? Oui, oui. Ah! Putain de putréfaction de merde. Elle est où? Ah oui. Calme-toi. Je crois que t'as un appel d'air. Wow, Est-ce qu'on a. Ah putain, on a eu un beau loot là quand même. Hein. Escobar. Bon, infection, tu l'as déjà. Look at that wand. It hums within a source. Oh le collier jeté par terre, le casque jeté par terre. Putain, ça fait tellement bizarre. L'arbalète, t'as les boules quand même de pas être arbalétrier là du coup. Mais elle est rose pour le moment, on sait pas encore. Oui, mais elle est rose quand même. Non? Elle est pas mal celle-là. J'adore quand c'est rose. Mais non! Ah là là, elle est rose, c'est la rareté! Ah là là, non mais non! Allô? C'est la rareté ou pas? Oui, oui. D'accord. Bah donc rose, c'est rare. Rose, c'est rare. Mais marre, hein, ouais, ces allusions là à chaque fois là, punaise. Comment ça, pas tout à fait? Ah, punaise. Hein? Comment ça, non. Pas tout à fait? C'est pas dit pas tout à fait. Si. Mais qu'est-ce que tu fais avec des pattes d'andropode là? Comment tu sais que j'ai des pattes dans mes pattes? Bah je sais pas, tu les remets sur les scarabées, hein, demande ce que tu fais. Bah je vais les vendre hein. Des pattes? Ouais. Ah oui, putain. Oh cher Lino. T'as plus de place par contre hein. Ah non, ça vient de s'agrandir. En fait t'as un sac sans fond. Voilà, comme ton cul. Ok d'accord. Celle-là elle est belle. Ok. Je comptais utiliser la baguette pour rendre ah bah d'accord le truc au dragon, mais finalement je crois que je vais te tuer avec. Tiens, il suffit que je dis qu'il est sans fond pour que t'aies envie de l'utiliser. Oh là là, retourne voir le dragon avec tes conneries.